לעילוי נשמת הנפטרים, לעילוי נשמת חנה בת אליעזר. חודש טוב ומבורך לכל עם ישראל. Regardez la page 248 parashat toldot. Alors on va un peu étudier l'histoire ou bien au moins lire un peu l'histoire des Berachot avec quelques réflexions. Vayhi ki zaken Yitzhak. Alors quand Yitzhak il était vieux, tout d'abord Hachamim ils disent à chaque fois qu'il y a Vayhi, lâchant Tsahar. Ça veut dire qu'il y a un événement qui n'est pas très heureux. Vehaya, ze lashon simcha. C'est comme Vehaya, im shamo atishmeo, lashon simcha. Mais Vayhi, Vayhi, c'est comme Vayhi bimea hachverosh. Lashon tsahar. Alors, Vayhi ki zaken Yitzhak, ici c'est. Alors ici, la question, pourquoi c'est marqué Vayhi et c'est lashon tsahar, alors que ça devait être. La Shon Simha, c'est Yaakov qui a eu les Berachot. Mais moi, je pense que Vayhi, il fait référence à Kizaken Yitzhak, Vatichena Enav Mirot. Quand il a arrêté de voir, c'est la Shon Tsahar. Hein? C'est un Tsahar. Et Rashi, Hachamim, il donne quelques explications pourquoi Yitzhak, il a perdu la vue. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Vatichena Be'achan Shel Elu, Shayu Mekatrot. Les femmes de Esav qui habitaient avec Yitzhak Avinu, ils faisaient beaucoup d'offrandes pour Avodazara. Et les offrandes, c'est comme des corbanotes. Il y a beaucoup de fumée. Il y avait tellement de corbanotes et tellement de fumée que Yitzhak, cette fumée-là, elle a endommagé la vue de Yitzhak Avinu. Pa'achan shel Elu. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, pourquoi Yitzhak, il a perdu la vue. Davar aher, keshen ne'ekad al gabe ha-mizbeach. Quand il y avait le inyan de Akedat Yitzhak, ve'aya aviv rotze le shohato, et son père, il voulait lui faire la shehita, be'ota sha'a niftehu shamaim. Les cieux, ils sont ouverts. Parce que là-bas, où est-ce qu'il lui a fait le korban? C'est là où est-ce qu'il y a le Kodesh HaKodashim. Et c'est là-bas où est-ce que Yaakov Avinu, il a fait le rêve. Et quand il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a dit? Veze Sha'ar HaShamayim. Alors c'est ça. Niftehu Sha'ar HaShamayim. Vera'u Malaché HaSharet. Et les Malachim, ils ont vu que Avraham, il va faire Akedat Yitzhak. Ve'ayu Bochim. Ils pleuraient les Malachim. וירדו דמעותיהם ונפלו על עיניו. Et leurs larmes, ils sont tombés sur les yeux de Essa, de Yitzhak, et c'est pour ça qu'il est devenu aveugle. L'efficar kahu enav. Naturellement, sur ce midrash, il y a des explications plus profondes. Parce que les malachim, qu'est-ce que ça veut dire les malachim? Est-ce que les malachim, ils ont des larmes? Alors, en tout cas, c'est un midrash. Davar aher, et quelle est la troisième raison? Pourquoi les Ene Yitzhakahu? Kedeshitol Yaakov et Taberachot. Non, ça veut dire Hachem, il a voulu que ça soit comme ça. Parce que si Yitzhak, ses yeux, sa vue n'aurait pas diminué, il aurait donné les brachot à Esav et non pas à Yaakov. Parce qu'il se trompait, il pensait que Esav, c'était le tzaddik. C'est pour ça que Kahou, Enav, comme ça, Yaakov, il va prendre les Berachot. Alors, récapitulons, trois réponses. La première réponse, c'était à cause de la fumée de Avodazara. Deuxième réponse, les Malachim, ils ont pleuré et ça a affecté la vue de Yitzhak. Troisième réponse, pour que Yaakov, il prenne les Berachot. Et il y a encore une autre réponse. Regardez la Gemara là-bas. Vatichena Enav, Amarabi El-Azhar. Rabbi El-Azhar, il a dit, Rabotai, Rabbi El-Azhar, il a dit, Kola mistakel bidmut Adam Racha, Enav Kehot. Tu as la Gemara, Edmond, en bas là-bas, ici à droite. Tout celui qu'il regarde, un homme Racha, ça va faire une influence sur sa vue et ça va diminuer sa vue. Chez Neymar, Vaikizaken, Itzhak Vatichena, Enav Mereot. Parce que tout le temps, il regardait
Esav Varacha, parce qu'il lui a amené tout le temps à manger. Alors cela, et alors c'est une influence qu'il y a eu négative. Il était pas, il avait 123 ans et il est mort à 180. Donc il n'était pas si Zaken que ça. Mais pourquoi on le dit les Zaken? Parce qu'il a perdu. Parce qu'il avait peur de mourir. On dit que chacun meurt, il peut mourir 5 ans de plus ou de moins de ses parents. C'est quoi. Ça. Alors et Sarah, il met nous. Il avait 123. C'est pour ça. Mais il a vécu jusqu'à 180 ans après ça. Hazak ou Baruch, très bien. Alors vous avez compris ce qu'il a dit David. David, il a dit que il a vécu 180 ans. Alors, et là, il avait 123 ans. Et Yaakov et Esav, quel âge ils avaient ? 63 ans. Alors, comment on va faire le calcul ? Parce que Yitzhak Avinu et Rivka, ils ont eu Yaakov et Esav, et Yitzhak ben Shishim Shana Veledetotam. Alors, si lui, il a 123 ans, et il leur a donné naissance, et eux, alors ça veut dire que eux ils avaient 63 ans, parce qu'à 60 ans il était père. Alors ajoute 63 ans que Yaakov et Esav ils avaient, ça veut dire que Yitzhak il avait 123 ans et il avait peur de mourir, parce que Hachamim disent que les enfants ils meurent en dedans de 5 ans de la vie de leurs parents, plus ou moins. D'ailleurs, c'est pour ça que Yitzhak, il avait peur, parce qu'il avait 123 ans, il savait que sa mère Sarah, elle est morte à 127 ans. Alors c'est 5 ans, mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pris l'âge de Sarah, mais il a pris plutôt l'âge de Abraham, parce que Abraham Avinu, il a vécu 175, et Yitzhak Avinu, il a vécu 180. Et Hachamim disent qu'en réalité, Avraham Avinu, il devait vivre 180. Et Hachem, il a diminué de 5 ans sa vie. Pourquoi ? Non. Hachem, il a diminué la vie d'Avraham Avinu 5 ans. Ça, c'est un Rashi dans la Paracha, dans là-bas de Hadashim. Rashi dit, Hachem, il a promis à Avraham Avinu, il lui a dit, Ve'ata tamut be'seva tova, tikaver, tu vas mourir avec une bonne vieillesse. Et Esav, quand il est devenu bar mitzvah, yatzal et tarbutra. Il est devenu une mauvaise personne. Et Hachem ne voulait pas que Avraham Avinu, il voit que son fils, il est dans le mauvais, dans son petit-fils, il est dans le mauvais chemin. C'est pour ça que Kitzer Yamav, Behameshanim, comme ça il ne voit pas que Esav, yatzal et tarbutra. C'est pour ça que c'est marqué là-bas. Elle chene haye Avraham asher hay. Ce mot asher hay, il est en plus. Alors là-bas, les mfashim disent, la Torah nous dit asher hay, ça veut dire il aurait dû vivre plus, mais il a vécu que 175 ans, parce que c'est pas sevatova. Ça veut dire c'est quoi sevatova? Quand tu quittes ce monde et tu sais que tes enfants ils sont dans un bon chemin. Et naturellement les petits-enfants. Mais quand tu vois que les petits-enfants, ils ne sont pas dans le bon chemin, alors ce n'est pas Seva Tova. Alors c'est ça le Inyan. Une autre raison. Oui, une autre raison, vas-y. Ça fait quoi? Ça fait la cinquième raison. Parce que Dieu ne voulait pas que Isaac voit les Averot qu'il a fait. Mais il a vu toute sa vie. S'il voyait les Averot, il va être triste. Et s'il est triste, la Shekhina ne va pas lui rendre visite. C'est ça. Alors c'est ça. Alors ok, ce qu'il dit là, ça veut dire que peut-être à cet âge-là, Esav, il faisait beaucoup de Averot, plus que ce qu'il en faisait auparavant. Pourquoi vous voulez lui donner la Beracha si ne revenons pas là-dessus. Encore un petit point. Ouais. Du fait que la première version que vous avez donnée, que les femmes faisaient beaucoup de Abodazara, et c'est Mida Keneged Mida pour Esav, c'est-à-dire que Totsak Mizé, Esav n'a pas eu le sroud de la Beracha, à part ça, c'est-à-dire à part que Yaakov la voulait, il voyait que son frère était Racha, etc. Alors c'est ça, en tout cas, Yitzhak, on a dit, il s'est trompé, non, il pensait... Pour Esav, c'est Mida Keneged Mida, autour de lui, il faisait du mauvais, donc en retour, il n'a pas eu la Beracha.
Ok, ça veut dire parce que ça veut dire parce qu'il faisait Avodah Zara, il a causé à son père d'être aveugle pour ne pas qu'il reçoive la bracha. Mida keneged mida. Ok, c'est bon. Alors, Vayomer hinena zakanti, lo yada'ti yom moti. Je ne sais pas. Alors, ce qu'on a dit, c'est Rashi. Regardez. Regardez. Lo yada'ti yom moti, amar Rabbi Yoshua ben Korha, im magia adam le perek avotav. Si l'homme il atteint l'âge de ses parents ou ses ancêtres, yidag, il n'a qu'à penser, hamesh shanim lifnehem, ve hamesh shanim aharken. 5 ans avant après, Yitzhak haya ben kuf kav gimel shana. Yitzhak il avait 123 ans dans à cette époque. Qui Yaakov ben Sammer gimel shana. Et Yaakov il avait 63 ans. Kishe itbarech. Donc Berashi Amar il a dit Yitzhak, shema le perek imi ani magia. Peut-être que je vais mourir comme ce qu'elle a vécu ma mère, 127 ans. Vehi bat kuf chav zain shana. Elle avait 127 ans. Vahareni. Et voici, j'ai 123 ans. Ben Hamesh Shanim Samouch le Pirka. Ça veut dire 5 ans avant l'âge de Sarah. Les Fikach lo yada'ti yom moti. Shema le perek imi. Shema le perek abba. Ça veut dire, peut-être, je vais vivre comme mon père ou bien comme ma mère. Alors lui, il pensait que peut-être, c'était alors, comme sa mère. Alors qu'en réalité, c'était comme son père. Alors, il dit à Esav, Ve'ata et maintenant, Sana Kelecha, prends tes kelim de Sherita, tes outils, tes liecha ve'kashtecha, ve'tse asade, et va au champ, ve'tsud alit saïd, et va me chasser quelque chose. Regardez qu'est-ce qu'il dit là, c'est quelque chose d'intéressant. Vous savez, Esav, il va lui chercher le gibier. Esav, il était rachat. Avant de tuer une béhéma, avant de manger, il faut faire la shechita. Et on dit que Avraham, tu vas me dire, ah, c'était avant matin Torah. Non, avotenu kiimu et ta Torah, kodem shenitna, avant qu'elle soit donnée. Rashi répond à cette question. Regardez. Teliecha, harbecha, shederech litlota, sana. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Sana, lashon hashhaza. Ça veut dire, hashhaza veut dire aiguisement. Ça veut dire aiguisé. Lashon hashhaza, en mashizin et asakin, alors qu'est-ce qu'il lui dit là-bas? Regardez la suite du Rashi. Haddet sakincha, Yitzhak il dit à Esav, aiguise bien ton couteau, ou shot yafé, et fais la shehita. Shelo ta'achileni nevela. Tu ne vas pas me donner à manger des nevelotes. Alors, mais la question. Hein? C'est ça la question. Alors, Vetsudali, alors non, c'est une bonne question. Mais le gibier, tu le chasses, Kashtecha, tu le tues. Alors ça veut dire quoi? Alors il y a un Midrash qui dit ça, vous allez être sceptique un peu. Le Midrash, il dit, quand il prenait, écoutez, quand il prenait la flèche, il s'assurait que la flèche. Elle passait par le cou et elle faisait la shehita. Bon. Elle était bon alors. Alors c'est ça. Ça veut dire, Esav, il était un expert. Il y a des gmarotes qui parlent, c'est comme ça. Il y a des gmarotes qui disent, Zarak et ta sakin, veshahat et ta bema. Il a jeté un couteau. Et là, est-ce que c'est une shehita kasher. Hein? Alors, en tout cas, dans le film aujourd'hui, c'est tant que le mohel ne fait pas ça avec le couteau pour le bébé, pour la béhéma, peut-être c'est pas grave. Kaddish, déjà? Ok, on continuera après. Rabbi Hamran, alors c'est ça. Alors, il lui dit, ça veut dire qu'ici, il y a Yaakov Avinu, il lui dit... Je te dis... La limite, elle est... Alors, le Inyan ici, il est comme ça. Il dit, « Ki ikra Hashem Elohecha lefanai. » Hashem Elohecha. Et Esav, il ne dit pas Hashem Elohecha. Alors, ça veut dire que Yaakov Avinu, il l'a fait en sorte de parler comme Yaakov Avinu. D'ailleurs, Rashi, il fait le commentaire. « Ikra Hashem Elohecha lefanai. » Est-ce que Esav, il parle comme ça? Alors, Yaakov Avinu, il a utilisé le nom d'Hachem. Dire, c'est pas moi, c'est Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, peut-être, Yitzhak, il va se rendre compte. Ça veut dire, il l'a fait, Bekavana, qui écrase Hachem Elokecha Lefanei, parce que c'est la façon
comment Yaakov Avinu, il parle et tous les tzadikim, quand ils réussissent dans quelque chose, qu'est-ce qu'ils disent? Akadosh Baruch Hu. Alors, en tout cas, il a fait, mais d'ailleurs, ça a donné à Yitzhak de réfléchir, de dire, est-ce que celui-là, il est Esav ou Yaakov? Vayomer Yitzhak, El Yaakov, Geshana va'amushecha. Parce que quand il lui a dit, Hikra shemelokecha lefanai, il dit, Esav, il ne parle pas comme ça. Alors, c'est ça. Il dit, alors, Geshana va'amushecha beni ha'ataze beni Esavimlo. Je vais voir si tu es Esav, parce que là, il lui a dit, Hikra, Vaygash Yaakov El Yitzhak aviv vaymushehu. Il l'a touché, Vayomer, Hakol kol Yaakov. C'est marqué, la voix, c'est la voix de Yaakov. Yadayim, Yede Esav. Velo Hikiro, il n'a pas reconnu qui Hayu Yadav, qui de Esav Seirot, Vaibarichehu. Il l'a béni. Vayomer Atazebe, encore une fois, Atazebeni Esav, Vayomer Ani. Il n'a pas dit Ani Esav. Il a dit Ani. Je suis. Alors encore une fois, Vayomer. Hagishali veochela mitzed beni. Donne-moi que je mange ce que tu m'as fait. Lemaantevarechanavshi. Vaigashlo vayochal. Vayavelo yain vayesh. Il lui a amené du bon vin. Vayomer elav. Itzhak aviv. Geshana ushkali beni. Vaigash vayishaklo. Il lui a donné à boire. Vayara hetreyach begadav. Il a senti les habits. Vaibarechehu. Alors Rashi dit, il a senti les habits. Ra'a. L'odeur de Gan Eden, il a vu l'odeur de Gan Eden. Vayomer, re'ereyach beni, kereyach sadeh asher berechu Hashem. Vayarach, vahalo, regardez ce qu'il dit Rashi. Vahalo en reyach ra, yoter, mishetef ha'izim. Ça veut dire la peau des moutons, elle a une odeur terrible, très très forte. Hein? Moi, quand je faisais la safroute, on nous apprenait comment faire le klaf. Et le claf, il fallait acheter la peau, hein, et il fallait lui enlever tous les poils. Et l'odeur, elle était tellement forte et grave, hein. Alors ici, il dit, ils sont re'ereyach beni, re'ereyach gan eden, en re'ereyach ra yoter mishitu, et la melamed shenichnesa imo re'ereyach gan eden. Quand Yaakov Avinu, il est rentré. Re'ereyach beni kere'ereyach sade, ça c'est le sade de gan eden. Asher berachu Elohim. Et quand Esav est rentré, il a vu Yitzhak, Gehinam. Il a dit, ça c'est le Gehinam. C'est pour ça que Vayeherad Yitzhak, Harada Gedola, Admeod. Et ensuite, il lui donne les Berachot. Regardez, les Berachot qu'il lui donne, on va juste finir avec ce point-là. Il donne Asara Berachot. Il donne 10 Berachot à Yaakov Avinu, Vitenecha Elohim, Itala Shamaim. Et ensuite, il donne des Berachot aussi à Esav. Mais quand il donne les berachot à Yaakov Avinu, il lui dit Vitelecha Elohim mitala shamaim. Et ensuite Mishmane Haaretz. D'abord le spirituel, tala shamaim. Toujours shamaim, c'est le spirituel. Mishmane Haaretz, c'est le matériel. Mais quand ça veut dire d'abord le spirituel et ensuite le matériel. Mais quand il bénit Esav, Yitzhak qui commence par la terre, Mishmane Haaretz yemoshavecha ou mitala shamaim me'al. Ça veut dire d'abord le matériel et ensuite le spirituel. D'ailleurs, vous connaissez ce Midrash. Le Midrash, il dit comme ça, que Yaakov et Esav, ils ont fait une association entre eux et ils ont fait un deal. Yaakov, il a dit à Esav que ce monde, il va t'appartenir, Olam Hazé, et Olam Haba est à Am Israël. Alors Esav, il a dit ok. Et après, quand Esav, il a rencontré Yaakov Avinu, après 22 ans que Yaakov il est revenu de la vanne. Alors Esav pose la question à Yaakov, d'où tu as eu tout ça? Quelle est la question? Il lui dit, mais toi, tu as dit que ce Olam, c'est pour moi. Toi, tu as Olam Abba, et je vois que tu as ce Olam. Tu as 4 femmes, tu as 12 enfants, tu as des centaines et des centaines de troupeaux, parce que juste ce qu'il a offert à Esav, c'était 550 têtes d'animaux. Hachamim qui disent que ça c'était juste le Maaser. Alors 550 têtes d'animaux, ça veut dire, si tu dis que c'est le Maaser, ça veut dire que Yaakov, il avait 5500, si c'est pas plus. Alors il était riche. Alors il lui dit, c'est quoi ce deal qu'on a fait? Tu le respectes pas. Qu'est-ce qu'il lui a répondu Yaakov? Asher Hanan Elohim Bazé. C'est vrai que pour moi, le plus important c'est Olam Haba.
mais j'ai besoin de Olam Hazé pour Olam Haba. Hein? Alors, ça veut dire que Esav, il n'a pas compris la chokma de Yaakov Avinu. Lui, Esav, il pensait que Yaakov Avinu, il va avoir juste Olam Haba, mais dans ce monde-là, il va souffrir, il n'aura rien du tout. Yaakov Avinu, lui a dit, non, tu as mal compris. Ça veut dire, on a besoin de Olam Hazé pour servir Hachem. Si tu n'as pas la parnassa, tu ne pourras pas faire beaucoup de mitzvot. Il y a beaucoup de mitzvot, il faut dépenser de l'argent. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Am Israël, qu'est-ce que ça veut dire, ce monde le plus important, c'est Olam Haba. Ça veut dire qu'on a besoin de Olam Hazé pour Olam Haba. Ça veut dire que ça prend les deux. Ça veut dire, et les Rechaim, ils veulent juste Olam Hazé, ils n'ont pas Olam Haba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Am Israël, ils ont Olam Hazé, ils ont Olam Haba, si tu suis le chemin de la Torah. Kshbarchou, il va te donner le matériel pour faire le spirituel. Mais les Rechaim qui pensent qu'ils ont juste Olam Hazé, en réalité, ils n'ont ni Olam Hazé, ni Olam Haba. Comme Hachamim disent dans Perkei Avot, que pour Am Israël, Olam Hazé domé l'ifros d'or. Ce monde, c'est comme un petit couloir pour arriver à Olam Haba. Baruch Adonai le Olam, Amen, Amen.